Les aiguilleurs du ciel aux abonnés absents dans les aéroports français. Près de 100% d'entre eux sont en grève, tous les syndicats ayant rallié le mouvement lancé hier contre le projet de libéralisation du contrôle aérien en Europe. Conséquence, 1800 vols annulés et des passagers excédés. C'était déjà le bazar pour nous retrouver un autre vol pour ce soir. Et on nous annonce que ce vol-là est annulé depuis 5 minutes. On ne nous propose même pas un café, rien du tout. Voilà. On veut bien comprendre les problèmes, mais bon, il y a des limites aussi. Oui, c'est très gênant. Mais vous savez, quand on voyage en avion, on sait qu'on peut être victime de ça, donc on s'adapte. Le préavis de grève pour demain a toutefois été levé après que Paris et Berlin ont demandé à la Commission européenne de différer ses projets de libéralisation. Mais attention, à compter de ce soir minuit, les aiguilleurs du ciel de 10 autres pays européens débrayeront à leur tour pour 24 heures.